À la file indienne, salut YouTube, comme d'habitude le lundi 19h sur Twitch, rejoins-moi, le lien dans la description. On est parti pour un épisode de Portia avec les amigos rochelais, toujours présents. Ranger les coffres, ouais. Promis, épisode 50, je range les coffres. J'y passe une heure s'il faut, mais je range les coffres. Je suis en vacances. C'est un épisode en duo qui se profile du côté du jeune Rochelet, là. Ça pourrait être très drôle. Hop. Hop. Allez, comme d'hab, hein, les... La morning routine. Les discothèques sont fermées pour 4 semaines. Non, c'est une blague, là. Et où je vais aller, moi, pour danser sur le dance floor? Pour mettre mes plus beaux pas de danse. Non, c'est faux, j'y vais jamais. Par contre, ça veut dire nouvel an, non? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ok, très bien. Bon, c'est une très belle nouvelle. Bon, oh, lui là, il a besoin de potes. Bon, allez. J'y vais jamais. Allez. De toute façon, je vais oublier, donc... À demain, hein. Alors, la lettre. Père. Quoi? Salut Louis, c'est ton vieux père, j'espère que cette lettre te parviendra. Ça fait un moment que je ne t'ai pas écrit, comment ça va? J'espère que tu t'adaptes bien et que tu apportes des grands changements à Portia. Mon séjour dans cette ville était des plus plaisants, tu sais. C'est pour cette raison que je n'ai jamais vendu l'atelier, même si j'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas pourquoi je t'écris maintenant. Je suppose que je voulais juste te faire savoir que je suis encore en vie et que tout va bien. Depuis ma dernière lettre, nous avons parcouru le continent oriental pour découvrir ses merveilles. Il y fait toujours sombre et froid, le danger guette, mais ce continent recèle tant de merveilles. Nous sommes sans doute les premiers hommes à poser le pied sur ces terres depuis un très long moment. Je voulais simplement que tu le saches, tu sais, au cas où je ne reviendrai pas. Et je vais essayer de revenir, peut-être lorsque tu compteras parmi les grands constructeurs comme moi. Nous pourrons rivaliser et voir qui est le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses? Papa, mon père. Par contre, il y a un dragon, hein. Il y a un dragon, moi je veux un dragon. Bonjour, comme vous le savez peut-être, un entrepôt a été incendié lors de l'expansion du nouveau port de Portia. Après l'enquête menée par la brigade civile, le coupable a été désigné comme étant... Toddy! Oh non, Toddy! Mais je savais, c'est trop bizarre. Au cours de son interrogatoire, il a avoué avoir commis ce crime car l'expansion du port risque d'endommager l'environnement de la région et donc diminuer les stocks de pêche. Ce sont des arguments valables si d'autres citoyens ont des griefs comme la construction du port. Merci de participer ce dimanche à la réunion au coin du feu. Nous aborderons le sujet ensemble. Le maire Gale. Très bien. Il lui donne une fossile et du liquide trempe. Très bien. On va prendre ça. Ok. Bon. Bon. Bon, lui, c'est demain. Je vais mettre un coup de soin pour gérer tout ce qui ne sert pas. Attends, j'ai tellement de trucs. Est-ce que je peux pas mettre des plantes, là? Des plantes, là, ou des trucs. Voilà, graines d'arbre de zéolite. Et graines de blé. Ah, bien, ça. Semer. Super. Brut. Ah, j'en ai qu'une. Combien de temps? 8 jours. 8 jours, messieurs, dames. Dans 8 jours, nous serons fixés. Alors, le piège parfait. Ok, donc c'est là-haut. On y va. Padoum, 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 boum, boum. Oh, j'ai eu là-haut? Hello, Mayor Gale. Hey! Hey! I hope, Portia. Hey! Goodbye! Espèce de teubé. Ouais, ça doit être là-haut. Allons-y, gaiement, tous ensemble, oui, gaiement. C'est pas où faut que je la mette, l'IA. C'est dans les mines, du coup. Composant électronique d'IA. Mais ça, faut toujours que je le trouve. Ah non, c'était bien en bas, en vrai. Heureux, je suis monté. Je vais dans les mines. Ah, mais j'ai pas envie de payer 200 si je dois pas y aller. Ah, c'est peut-être dans l'église. Ah non, l'église, elle est là-haut. Non, c'est forcément là. Bah, go. Allons voir ce qui se passe. T'imagines, j'avais pas 200 gold. Haha, le nul. Bah, je commence à avoir pas mal de... Oh. Ah, mais c'est... Oh, je suis venu parce que t'es là. Putain, mais l'enfer. Is this it? It... Oh, 5000 pour 200. Bon. Oh. Not that bad. Not that bad.
Ok, ça c'est fait. Ensuite, il nous faut les circuits électroniques. Et je vais aller chercher une petite quête à la mairie. Nous sommes dimanche, donc il n'y a pas de quête à la mairie. Nickel! Un épisode qui commence, somme toute, comme les 47 derniers. Par ça. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et bim! Alors, on m'appelle l'œil du tigre. Hein. Pam. Ah, bah je crois que l'œil du tigre, c'est terminé. Hop. Pourquoi je vois rien? Ah, j'ai cliqué sans vouloir. Je vois rien! Allô, je vois rien! Oh, j'étais dessus! Ça, ok. Ok. Putain, je vois chi. Je vois rien! J'espère que vous l'avez vu, pour bien être énervé après moi. Pourquoi je ne vois pas de différence? Putain, pourtant, je suis bien réveillé, hein. Je sais pas ce que j'ai changé, hein. Là, pour le coup, des fois, je fais pas d'effort. Oh, ça va. Bouiboui, il est tout petit. Il y a forcément un truc. Là, là, là. Et puis là. Échec. Le pire. C'est un résumé qui me semble tout à fait correct. En tout cas, mérité. Le manche. Oui, bah, ça va. Je le prends personnellement. Je sais que tu parlais du manche, mais... Putain, j'y pense, mais dans 2 mois, retour du fond vert. Donc, augmentation de la qualité. Intéressant. Bougie artisanale, j'en ai rien. Squay. Est-ce que j'ai les petits trucs avant, moi, là? Ça me semble compromis. Bon, non. Ah, j'ai un... Ah, mais c'est ce machin, là, que je comprends rien. C'est quoi, cette merde, là? Pourquoi je suis là? Quand je rentre dedans, y'a rien? Et je peux pas faire le tour. On va revérifier dedans. Il me faut des trucs d'IA là, mais je vois pas du tout. Je vois pas du tout où je dois les trouver en vrai. Là-dedans. Note de recherche. Note sur l'étude menée au centre de recherche permet d'améliorer la production de l'usine. J'avais pas vu ça. Ça c'est quoi? Héritine. Hop. Non, chipset. Je sais pas combien j'ai de disques de données en vrai. Mais si les trucs IA, faut attendre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais j'ai dormi depuis. Faut attendre le port. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait fait le. Alors, c'est quoi le machin? Pourquoi j'ai un rond là, en bas à droite? On va me rendre fou ce truc. Je comprends pas pourquoi il y a un rond orange. Ça se trouve, faut attendre là-haut, mais là-haut, je peux pas y aller, en fait. Là, l'échelle, elle a pas de barreau. Alors, c'est juste derrière, là. Bah non, je crois qu'on n'y a pas accès, en vrai. C'est la merde. C'est la merde, moi. C'est la merde. Hop là. On va couper de l'arbre. Quand je comprends pas, je coupe un arbre. Même dans la vie. Je vous invite tous à ne pas reproduire ça chez vous. Pourquoi y a rien? Ah bah y a carrément un mur imaginaire. Ok, bon bah on ne sera pas dans cet épisode. Je vais refaire le tour quand même. Pour pas paraître pour le plus débile de la bande. Mais je suis à peu près sûr qu'on n'aura rien. Et... Ouais, ah bah je suis blessé. Et pourtant, je suis en plein milieu. Bon, je peux pas péter la vitre. Parce qu'il n'y a pas de vitre. Bon, j'ai acheté des notes de recherche. Je sais pas ce que ça vaut. Hello. Hello. The safety of Porsche has...
Allez hop, je me crosse. Eh bien, ça me paraît être le un des premiers épisodes où on n'a rien à faire. Donc, on va aller miner. On va aller miner. Oh, t'as un bon style, toi. Il y a beaucoup trop de passagers, je trouve. Tous des clandestins, je suis sûr. Je reconnais. Pouba, 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 pou. Ça fait un moment qu'on n'était pas allé dans les minas, d'ailleurs. En y repensant. Oh, bah c'est ça. Hop. Ouais, parce que... aller au centre de recherche. Composants électroniques d'IA. Je vais refaire un tour au port tout à l'heure. Au cas où. Parce que c'est vraiment le seul truc qui me reste, hein, je crois. Bon, là, j'ai pas de truc. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, la Terre, une boîte de cadeaux mystérieuse. Hein, il faut des trucs. Hein. Aide Merlin à préparer son tel besoin. Une fois la puce activée, assemblée, porte-la au centre de recherche. Ouais. En plus, j'ai jamais vu. Pas que je sois le plus débile de la bande, hein, mais... en tout cas, je l'ai jamais vu. Pam, 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 poum. Hop là. Dans le vide. Hop. Diane qui m'envoie fermeture des boîtes, à nous le nouvel an tous ensemble. Et effectivement, oui. Par contre, c'est vraiment trop bien cette annonce. Vous m'avez refait ma soirée. C'est cool. Voilà, pour faire ça, on va. Pour fêter ça, on va miner. Avec le sourire. C'est le sourire. 500 exemples de conception. Une recette inconnue. Allons-y. Pardon pour vos oreilles, des fois je crie un peu fort. Enfin, vous le savez, hein, depuis le temps maintenant. Alors, par où allons-nous? Putain, mais j'ai rien. Ça c'est quoi? Je sais pas. Allons par là-bas. Faites des trucs, qui disait, faites des trucs. Bon d'ailleurs, j'ai pensé dans la semaine, sûrement, sûrement mercredi ou jeudi soir. Oh, level 40, c'est très bien. Faire un petit live horreur. Je sais pas si ça vous botte. J'ai un petit jeu en attente que j'avais montré à Antoine. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça se trouve, ça va être un énorme navet. J'essaie juste de pas me spoiler, de pas trop regarder de vidéo dessus pour pas me spoiler. Comme dirait quelqu'un qui sait pas parler anglais. Mais et du coup, je pense que ça peut être cool. Ouais, je pensais à jeudi. Parce que sûrement que mercredi, on va live sur LOL. Petite flex des familles. Donc je me dis que techniquement, jeudi soir, ça peut être pas mal. Du coup, tiens d'ailleurs Antoine, tes vacances c'est à partir de cette semaine? Ou pas? Au coin du feu à 19h. Oh putain merde, je suis baisé là. Oh ça m'emmerde, j'ai pas prévu ça moi. Vendredi. Ah ok. Ok. Donc tu travailles jeudi en tout cas. Enfin, du travail. T'es quand même un vrai branleur, hein. On te voit, hein. Bref. Faire taper sur les doigts, moi, sinon. Allez, au coin du feu. Au coin du feu, les amis. Il est temps d'aller au coin de le feu. En théorie, on doit attendre la direction. Ouais, d'accord. D'accord. Je vois le truc. Je vois le genre, je vois le genre. C'est comme moi qui dois être à 19h pour partir, quoi. On prend le temps d'attendre. C'est dans l'idée, non? Allez! Là. Ah, le trajet durera 47 minutes. Ah bah, je suis dans la mouise, là. C'est lui, Toddy, non? Je crois que c'est lui. C'est lui, le brigand. Mais alors, en fait, il est pas du tout... Ah non, ça peut être le même. J'ai loupé au coin du feu, non? 19h51. 3 minutes! Good evening, ladies and
Bienvenue ce soir, nous avons un sujet très important à aborder aujourd'hui, nous allons donc droit au but. Toddy a incendié un entrepôt en construction du port. Il l'a fait parce qu'il voulait s'exprimer son point de vue. Celui-ci était-il valable? Oui, bien sûr. Est-il exprimé de cette façon? Eh bien, nous sommes une société soudée. Une société fondée sur la loi et l'ordre. Tant dire une dictature, quoi. Une société bien meilleure que celle qui existait durant l'ère des ténèbres. En tout cas, ce que je me plais à penser. Tu es un dictateur, Gale. En cas de désaccord au sein de notre communauté, nous devons les exprimer en parler entre nous et trouver des compromis. Et les autres iront en prison! Nous connaissons tous Toddy, il est assidu au travail et aime sa tranquillité près de l'océan. Mais ce qu'il a fait était mal. Nous ne devons pas faire ça à Portia, il sera puni conformément à la loi. C'est un type bien. Au moins personne n'a été blessé. Dans la mesure où il a exprimé ses regrets et où personne n'a été blessé à cet incident, je serai indulgent. Vous m'avez élu en tant que maire, mon devoir est de prendre des décisions difficiles et j'irai jusqu'au bout. Maintenant que nous avons abordé le sujet, parlons des raisons qui ont motivé Toddy à agir de la sorte. En vrai, il va lui même pas le mettre en prison, hein. Il aura une petite fessée, là, bim. Et... allez, une petite fessée! Ouais, les navires qui feront escale engendront la pollution. Le moment était que les avantages l'emporteraient sur les inconvénients. Plus de qualité de vie et de meilleurs revenus. Le capitalisme! Je suis d'accord. Je suis avec toi. Et l'environnement? En ce qui concerne l'environnement, j'ai l'intention d'établir une réserve naturelle sur l'île Étoile Argent. Ok. Le pasteur Lee nous dira que pas le faire nous mènerait au désastre. Ah, d'accord. Objection ? Équilibre nécessaire. Speech. Shut up. Quelqu'un a des questions au sujet du sanctuaire de l'île Étoile Argent ? N'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera tout pour cette réunion. Bonne nuit à tous. Ok, le sang. Donc là, techniquement... ah ben non, j'ai déjà parlé de lui. Partez pas. Mais pas toi. Putain, mais tout le monde sauf lui, quoi. Hey, pour Leslie, ah, vous voulez pas parler. When I was young... ah, lui, c'est Toby, pas Toddy. C'est son fils caché, en fait. Allez, hop. Oh yeah, Ginger. Papa was very sad. Hello. Recently. Est-ce que je peux te faire un cadeau? J'ai trouvé un livre. Ah, il fallait pas. Apparemment, fallait pas. Ah, ils sont chiants avec leur commande à deux balles, là. Hey, Mouza. Ah, c'est vrai que tu vas parler, toi. Ah bah si. Ah non. Emily, reviens là. Merci à toi. Et je m'en fous. Allez, vous te saoulez là. Allez, direction jour 2. Hop là. Allez, pas le temps, putain, je dois habiller, c'est incroyable. Mais, des fois j'ai pas mes lunettes et des fois j'ai mes lunettes. Qu'est-ce que c'est que ce maléfice, hein? J'ai une voix vraiment supportable, des fois je m'en rends compte. Le centre de recherche m'a informé que les quelques codes des pins restants ont été ajoutés à des espèces en voie d'extinction. Si nous n'allions pas, ils pourraient disparaître d'ici quelques années. Il n'existe qu'à Portia, c'est à nous de faire en sorte de les protéger. Ah ouais. Les boîtes à pièges. Avancez. J'ai aucune foutue idée de comment on fait ça. Déjà, j'ai galéré de fou à en faire des normaux. Les deux tous... non, mais c'est sûr. Je suis la cause de l'extension des coques des pins. Hein. En même temps, avec leur binocle, là... En plus, c'est là au moment où j'ai découvert qu'ils donnaient des verres correcteurs. Oh, mais ils méritaient, hein. Je peux en faire deux, il en faut cinq. Ok. Il me faut des plaques acier. Très bien. Et j'ai débloqué... non. Quoi que j'ai débloqué? Collier de saphir jaune. Ouais, d'accord. Et là, je débloquais quoi? Héritine. Elle symbolise la chance et la bonne fortune. Allez, parce que j'ai des thunes! Faut que je fasse des plaques acier. Il faut que je fasse des plaques acier. Hop là. C'est que j'ai plus d'acier ou c'est que j'ai plus de charbon?
Ah, c'est parce que je suis affreux. Ah oui, j'ai plus d'acier. Ah mais j'ai plus de minerai de fer. Et la livraison, elle est pas arrivée ou comment ça se passe là? Alors, la guilde du commerce, petite dague. Putain, il me donne vraiment de la merde, hein. C'est incroyable. Hein. Oui, j'ai pas de place, oui, ben je sais. En même temps, j'ai 40 000 trucs qui me servent à rien. Bon, allez, t'es décidé. On range un peu. Au moins, un minimum. Le bois. Pourquoi le bois, il est pas dans le bois? Vous allez me dire... Parce que... Mais non. Hop là. Si je retrie un coup... Dans les tissus. On va mettre les tissus. J'ai déjà plus de place. Bon. Les plumes. Le chapal. Tout ça, c'est à vendre. Hein. On est d'accord, on va pas le garder. Il n'y a aucune raison de les garder. Non, ça par contre, si. J'en ai besoin. Ça... Lui, niveau 12, ça dégage. En tissu, il me reste quoi? Du lin. Ça, c'est du tissu. Ça, c'est du tissu. Ça, c'est de la bouffe. Fossile. Faut que je le place dans ma maison. Ok. Déjà, faut refaire des grands coffres pour remplacer petit. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu, je vais le faire. Short, ok, ballon. Mes outils pour peindre. J'ai 314. Oh, j'aurais pu prendre quasiment tout. Ça, c'est bien. Je le garde. La pâte. Pendant, il y a les poissons de l'aquarium. Ah oui, du coup, faut que j'aille pêcher les poissons. Lion sculpté. Ça, c'est dans... Relique sable. Bim, boum. Maquette de fusée. Très bien. Ça, non. Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Non, ok. Bon, je vais faire comme ça. Je vais aller vendre vendre les vêtements et on va aller construire des coffres. Mais en fait, faut que je réfléchisse à un moyen de les mettre comme il faut, ranger. I think. Alors, donc, ça peut prendre du temps. C'est bien ça le problème. Alors, mon ami Polly, qu'est-ce que j'ai à te donner? De la merde, littéralement. Hop là. Morris. Now, if they let us visit Starlight Island... Je m'en fous. Hey, ah mais non, mais oui. Hey, c'est moi. Vêtements. Bim. Hey bim. Hey bim. Oh ça vaut rien ça. Oh ça c'est nul. J'ai plus d'argent. Mais les 4000. Sous ma gueule. Ça vaut quoi ça? Ça vaut trop? Ça vaut peut-être cher en vrai. Hein. La tunasse! La tunasse! Ah ouais, ça vaut cher que ça? C'est incroyable! C'est incroyable! C'est écrit dessous. Ah putain, oui! 8000! Effectivement. Effectivement! J'avais pas vu en vrai. Il y a beaucoup de choses que je vois pas, hein. Mine de rien. Roue avant. Pas la foudre de la roue avant. L'arteau de guerre non plus. Et épée Nova non plus. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas amélioré nos armes aussi, hein. Ça me dérange. Sachez-le. Oh, bandit. Salut, toi. Ouh, ouh. Est-ce que j'ai de la pâtée pour chien? Oui. Lui, ce qu'il aime, c'est les nonos. Et les pendentifs. Oui, je sais bien, ça te plaît. T'es mignon. 90 000 gold! Effectivement, allons agrandir! C'est une heure avant jouer. Putain, faut que je retrouve où déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est là. Bon, allez, on va le faire. J'ai dit que j'irai quand même passer un petit moment avec Django. Je sais pas trop ce qu'il m'offre d'ailleurs. En social. Le bon Django. On voit parfois des cadeaux par courrier. Reçoit une remise de 20% en achetant quelque chose à manger. 25%. Allez, Marie, après. Bonne amie, remise de 20%. Bon, c'est pas ouf. Mais c'est déjà ça. Si on ne joue jamais là-bas. Bon.
Enfin le cheval. Enfin le cheval. Eh oui. On s'en fout là, on est là pour jouer. Ça te rend dans la table ronde. Pas de trucs à faire dans le coin là. Oh non, on va pas faire le truc trop long là-bas. Hop. On va aller en ville. J'ai le truc à faire en ville. Allumer les feux d'artifice. Dessin. Ok. On va faire de la balançoire avec Teddy. On va faire le truc là-bas. On a dit... oui, il y a une... Il y a une quête là-haut, là. Je sais pas ce que c'est, ça. Alors, ils m'attaquent, là ? Ouais, non, je suis trop fort pour eux. Allez, poussez-vous, les bouffes. Ah, faut qu'on augmente le niveau, aussi. Il faut qu'on augmente le niveau. Alors, les feux d'artifice. C'est où ? Oui, allumons les feux d'artifice. Violet et jaune. Ah, j'en ai pas. Ah, ça sert à ça. Je m'en fous, t'en veux plus. J'en ai pas. Incroyable celui-là. Une tortue. C'est vraiment... C'est boring! Je m'ennuie! Et j'ai envie de vomir! C'est pas adapté! Bon, j'espère que vous ça va. Mon cerveau a lâché. Joli dessin. T'as tout ça pour avoir deux trucs quoi genre. Bon, je vais quand même faire des feux d'artifice pour le prochain. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile. Ouais, le truc de la mine, c'est juste que c'est trop long quoi. Autant aller faire des ballons. Hein. On va aller faire la balançoire, on va aller à droite de la ville. Et après, on s'occupe de nous. Ah, et du coup, le cheval, ça va refaire. Hein. Oh là là, les trajets vont être sacrément moins longs. Peut-être qu'un jour, j'aurai mon dragon. Comme sur la photo de papa. Sapin, c'est quoi sapin? C'est quoi sapin? Il est où? Mais il met 40 ans à venir! Allez! Ouais, c'est topaz. Attends, j'ai plus de topaz. Tu veux du miel? Un petit thé rouge? Ça me serait utile, mais bois-le sinon, genre non. La balançoire sauf ces deux et je suis dans le caca. Plus 23. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire en vrai. On va aller faire de ça plutôt. Pinky's going to wake Mint up if she keeps purring. Maybe I can lure her. Ah, c'est 3. Bon, bah, c'est baisé. Miaou. C'est 3, allez, bon, ouais, c'est bon, stop, tu m'as saoulé là. Plus 7, alors j'ai 23, bon, ça n'a aucun sens. Oh, ça va. Hop là, je m'assure sa gueule. Du lait pour le chat Bah non, il faut du poisson chat, je crois. Là, c'est marqué en. Oula, oula. It's raining man. Alléluia! Oh, t'es bugué! Ouais. Va annoncer la réunion du point de fait, mais on doit trouver l'ordinateur en source intégrale. Ok. Ah, pareil, il y a piège. Ah, c'est clairement de ta faute, ouais. T'es vraiment une grosse merde. Allez! Pas grave, hein. Ça arrive. C'est quoi là?
poser poisson chat. Oh, faut que je fasse des trucs. Putain, mais comme si j'avais que ça à foutre, quoi. Bon. Bah, on va essayer de trouver... Oh, je vais tout pour aujourd'hui. On va essayer de trouver des appâts, parce que je crois que j'en ai qu'un. C'est un peu la merde. Herbe. Putain, herbe, fou de ma gueule. Chenilles. Ah, ils sont pas dans les herbes, les chenilles. Ils sont que dans les trucs de bête serpent. Ah, mais j'en ai pas partout. Bon, allez. Une fois que je suis là, allons agrandir. Plaque acier 2. C'est mieux que si c'était moins bien. On voit une là. Tu te montes pour rien, toi. Tu fais rien, là. Hop. Et oui, là. For sale. Tadam. Tadam. Ah, par contre, ça s'est poussé dedans. Ça va pas le cas. Oh bah, one shot. Ah oui, d'accord. En fait, c'est juste que c'est gênant. Donc là, je récupère rien. Super. Ah, c'est un peu quand même. On va aller voir notre collègue. Putain, faut tout que je bouge là. Oh, l'enfer. Je sais même pas comment je vais les mettre. On va pousser vers le front en vrai. Bon, excité, je l'ai toujours pas. Ça va arriver incessamment sous peu. Mais not for the moment. Je pense que je vais faire aussi dans l'épisode 50. Je pense on fera un full upgrade des machines. Arrêtez d'avoir des machines qui font moins bien que d'autres, etc. Genre ça, là, ça en vrai... à un moment donné, ça devrait dégager, quoi. Celle-là, c'est la meilleure. Normalement, elle prend toute la place dans le coin. Ah, bah non. Bon, moi, j'ai la place pour des coffres. Et ça, pour l'instant, ça va rester là. Ok. Ok. Bam. Est-ce que je peux en faire deux de plus? Très bien. Et il me manque trois plaques acier. Trois plaques acier et on pourra faire autre chose. Ok. Et ben je vais aller installer les tables. Je vais aller installer les tables et non les tables. Ouais. Ouais, par rapport à... Ouais. Vous avez compris quoi. Ouais, on va mettre ça et on va aller voir McDonald's. Mais je crois que j'ai plus de thunes en fait. Je crois que j'ai plus de thunes. Hey Gust, mon ami Gust, j'ai les tables et l'autre truc aussi à mettre. Ah mais non. Ah mais pourquoi je l'ai pas mis au fond? Ah oui, d'accord, ok. Et table. J'ai déjà construit. Non, mais si je l'avais déjà construit, non? Ouais, vu que je l'ai dézingué, je suis mort. Et là, il faut quoi? Clé de bois, béton, plaque alu. Oh putain, je pourrais même... Ah, 100 000. Bon, bah pas tout de suite alors. Cabanon. Ah mais attends, mais faut que je le reconstruise. Attends, mais je suis fait niquer en fait. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Brique, barre de fer, goal. 5 000 goal. Brique et barre de fer. Je vais en faire tout de suite. Okay, brique et barre de fer. Brique et barre de fer. Ouais. Je le dis à haute voix parce que je suis capable d'oublier. Il y a quand même 50 mètres à faire. Brick and ball de fer. Brick et barre de fer. Brick et barre de fer. Ça paraît grand, j'adore. Alors. Non, ça tourne. C'est utile. Ouais. Ça va être là. Barre de fer, j'en ai 65. Ah, mais ça trouve juste ce qu'il faut. Juste pas de sous en fait. Et mes bricasses. Et 23. Bah il suffit de te retrouver quoi. Fourneau. Hop. Hop. Et maintenant il me faut des gold. I need some gold. Et ouais. Tout ça, mais en vrai,
C'est pas utile que ça tourne. On a dit. Poum. Il me faut les barres de fer, les plaques acier, mais. Il m'en manque une, deux. Et ben on va aller pêcher en attendant. Allez, pêcher. Pêcher les morillons. Je sais pas où on trouve les poissons-chats. Il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, dis donc. Ah, j'avoue, hein. Et passionnant, hein. Ah, j'avoue que celui-là, c'est vraiment. Ah, si tu le loupes, t'en fous, quoi. T'es pas mécontent. Choper le plus petit. Fous de ma gueule, là. Poisson de grenouille. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. On va faire un effort aussi. Oh, j'ai le même deux fois. Ils sont dégueulasses. Je vais aller les mettre dans la... Ah, j'ai un poisson chat. Parfait. T'as fallait pas moins. Hein. On va les poser. On va peut-être les mettre, les poissons grenouilles, dans l'aquarium. Ah, et vraiment, c'est passionnant, ma vie. Hein. Voilà. Résumé de ma journée. Le plus incroyable, c'est d'avoir mis des poissons grenouilles. Poisson de grenouille dans l'aquarium. Allez, viens! Oh putain! Il tape son meilleur sprint. Attends, mais. Tu fais du surplace ou quoi là? Allez! C'est tout? Bah, ouais, mange-le. On dirait Nima avec son pigeon. Le Steph. Non mais ça va, le Steph déjà il est pas rose. Il a pas ce bidou là. Et qu'est-ce que je fais du coup? Placer de nouveau? Putain, mais c'est qui gagne ce con là? Bon, de toute façon j'ai plus de chenilles. Ah oui d'accord, faut que j'emmène au bout du monde. Ok, très bien. Où c'est que je trouve des chenilles, moi? Est-ce que si je bute ça... Les monsieur coccinelle? Non, c'est du mucus. Putain, il donne rien. Donc je trouve des chenilles. Fibres végétales, c'est pas du tout ce que je voulais, hein. Je sais pas s'il y a moyen dans les buissons aussi. Putain, mais quel enfer. Il y a chi dans les buissons. Ah. C'est vraiment attaqué là. Je me casse. Trop chiant à trouver. Il peut pas en vendre là. Pas un pêcheur. Ah, si, bah si, il est en prison. Ah, je suis con. Ça va pas m'aider beaucoup là. Les petits buissons là. Allez. Il y a besoin de chenilles là. Même là-dedans, il n'y en a plus. Quoi, il fait nuit, ils sont rentrés chez eux? Ça se trouve. Bon, est-ce que je peux faire ma dernière boîte, moi, pour l'emmener demain? Il me semble que oui, effectivement. Hop là, très bien. Ça, on pourra l'amener demain. Parce que là, tout le monde, dort. Ouais, top frange, hein. Hey, top frangin! Échange de morceaux de reliques. Arrêt du centre de recherche. Pourquoi ça brille? Échange de centre de recherche. J'ai pas compris. Allez, demain, faut qu'on trouve d'autres chenilles. L'autre, il va jamais bout. Je suis sûr que là, au rythme qui se passe, Mint, il peut dormir sur le banc pendant 8 années. Hein. Je suis capable de laisser comme la quête de... Un sommeil difficile. Ah, j'ai rien dit du coup. Putain, je me suis fait chier à pêcher pour rien. Quel enfer. Bon allez, on va mettre les poissons grenouilles dans les grenouilles. Enfin dans les... Enfin bon, vous m'avez compris. Hop. Pim. Hop. Poum. Faut pas le mettre. Je suis dévasté.
Oh. Là. Alors, May. Rejoins-moi au bureau de Port Time. Très bien. Albert, c'est juste pour te dire que nous avons pu importer quelques conceptions préfabriquées de Vega 5 puisque le port a été amélioré. Grâce à ces pièces, l'usine est maintenant disponible dans les catalogues. L'usine. À la suite de l'amélioration du port de Portia, nous avons pu accueillir le détecteur de reliques le plus récent de Vega 5. Ok. Trop bien. Ah oui, l'aquarium. Peut-être pas l'aquarium alors. Ok, bon, pas mal de petites choses là. Peut-être pouvoir avancer et peut-être que l'épisode va prendre une tournure incroyable. Je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a aucun monde où ça fait ça. Pff, Higgins, il fait les appâts, tu sais. Lui qui va chasser les chenilles. Va voir au port. Ah oui, au port. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Martha. Qu'est-ce qu'elle veut, Martha? Pourquoi d'un coup là? Appareil à piège. Ah oui, d'accord. Social. Oh, il est devenu camarade. En lâchant des terres. Incroyable. Elle est où? Elle est où? Putain. Au bout du monde. Martha. Ah oui, non, d'accord. Non, c'est la merde. Pas pour moi. On va voir au port. Oui, on va voir au port. Putain, j'allais le dire. C'est terrible. Faut que je vois, ça se trouve avec l'usine là, on a peut-être. Well, je bug. It's just some extra work. Hey. Je peux faire des trucs là. Non. Alors c'est peut-être là. Mais j'ai toujours pas mes 5000 gold si. Pour mettre les tables, j'y pense. I pense. Usine. À quoi ça sert? 50 000, mais putain de merde. Merde, je suis baisé. 50 000 pour l'usine. Moi, bon, je sais pas ce que... Usine. De quoi ça peut servir? Bon, j'en ai aucune idée. De toute façon... Je sais que les notes de recherche sont liées à ça. Mais bon. En vrai, pour l'instant... On va laisser ça comme ça. C'est pas trop grave. On a dit... Putain, mais... Pourquoi il y a des trucs comme ça? Je comprends pas. Station d'échange du port. Alors, on va voir. Usine trop bien, tu mets toutes tes machines dedans. Mais non! Oh le gain de place! Oh le gain de place! Ah oui, c'est gigé bien. Putain, c'est parfait ça. Bon, bah 50 000 gold. We have to wait. Another time. Donc la station d'échange, ça doit être les nouvelles arrivées. Alors, cerceau. Mais ça coûte bonbon! Ah, il faut mes chipsets en silicone. J'ai oublié de les prendre. Moutarde. Parquet violette. Aquarium de cristal. Non, mais ça va aussi. Étagère à plantes. Panneau publicitaire. Tapis de course. Mini trépan. Incroyable. Ok, il y a des bonnes petites choses là. Hein. Bon, ça vaut rien, mais c'est pour ça. Ça vaut rien. Le ginseng, il vaut rien. En vrai, si je vends toutes mes pommes. Si je vends toutes mes pommes. Je vois pas à quoi ça sert. Je peux en avoir 40 en plus alors. 503. Vends le miel. Deuxième page, une foreuse. Ouais, j'ai vu la foreuse, mais. Mais 8000 quoi. Vends tout, tu n'utilises jamais. Je vais te faire engueuler en plus. Vends le miel, oui, le miel. J'avoue. Les baies. Si, vous êtes médisant, j'utilise des fois quand j'y pense. Très peu, hein. C'est pas très très, très rare. Hein. Citrouille, ça dégage. Les minéraux. Garde. Et pommes. Bim! Et piment! Bim! Et champignons! Bim! Et tu! Non, les tu bon, je vais les garder. La pâte, ça sert à rien. Mais tu en as rien, hein, dans les coffres. J'avoue, on va faire ça. On va aller faire de la vente.
On va faire de l'achat-revente. Enfin, de la revente-achat. Dans ce sens-là. Non, les laitues, je les garde. Les laitues, je les garde. Je sais qu'on a galéré comme des chiens. Des chiens de la casse. En avoir. C'est pas du tout la bonne expression. Je suis désolé. Mais 50 000, ouais, il va falloir quelques. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Tant mieux. Bois. Non, bois. Ah, je peux te vendre du bois en vrai. Tout ça, là. Hop, ça aussi. Broyeur. Non. Butin. Des crocs. Je veux dire que ça, à un moment donné, j'en aurais besoin. C'est parce que je vends rien, mais. Ah oui, c'est vrai, j'ai des veaux. J'ai des veaux. On est à les poissons de l'aquarium. On va peut-être des poissons dans l'aquarium, à un moment donné. Prends les chipsets. Ah oui. Putain, et c'est vrai que. Putain, mais si vous étiez pas là, mais le nombre d'allers-retours que je ferais par épisode. Là. Ouais, bon là c'est vraiment le truc le fourre-tout quoi. On va vendre de la pirasse hein. Donc ça non. Établi non. Fourneau non. Ça un jour ça me servira, je le sais. Truc des arbres. Putain, l'a vu. Truc des arbres. Je sais même pas où je les ai mis. Tout ça là. Ah, mais Oh, même les fibres, je peux les vendre. Bon. On va essayer. Je vais aller en ville avant parce que. Je suis pas sûr qu'ils aient assez de thunes là-bas. Donc, eux, ils récupèrent rien, c'est de la merde. Je vais rendre tout le monde pauvre. Des thunes. Bien sur pied. J'ai oublié les chipsets. en vrai c'est rigolo. Arrêtez, c'est rigolo. Bon, bah je me suis refait la cerise hein, comme on dit dans le milieu de l'agroalimentaire. Je vais les chercher, ça va. Ça dégage. Je me fais des thunes là. Ouais, je vais aller à l'étable sur la route. On the road. Vous voyez, on peut tout faire en fait. Je trempe pas mon pro. Hein. C'est quoi ça? Pareil à piège. Ah merde, faut pas que je vende ça. Je vais en avoir besoin. Ah, c'est les petites puces en silicone que j'ai là. Putain, je suis débile. Bon, on est pas mal là. 29 000. 29 000, 29. Ah putain, attends. Attendez. Avant tout, il faut que j'aille voir May. Ça, j'ai pas oublié. Comme quoi, j'oublie pas tout. La Taratum, oui, ici. Cher, mais il semblerait que nous devions des excuses. Que nous étions envoyés au portier à Time, nous ne t'attendons pas à ce que tu en fasses un journal aussi populaire. Selon le nouveau rapport d'Erwa, le mois dernier, le portier à Time a eu plus de lecteurs que n'importe quelle autre filiale des Cités Libres. La Taratum aimerait t'accueillir à nouveau et t'offrir un poste de rédactrice expérimentée. Ok. Je devenir un rédacteur. C'est cool. Enfin, pas mon problème quoi. Tout le temps, ils sont là à me causer, ça me saoule. Hey, over here. Hey, on est là. Ce qu'il veut, lui, hey, à me taper là. Yeah. Allez. I was outside the whole time. The Porsche Times need her. Portier qui a besoin d'elle. No, I think Porsche needs her. Look. She gave you that photo album to collect your photos in, yeah?
Well, how about you crap? Oh, ils me saoulent avec leurs photos, sans déconner. Oh, j'en ai déjà plein. Erwa, c'est lui Erwa? Bouge pas. Souris. Ah, c'est sûr qu'il va avoir envie de rester avec ça, hein. Ronde, extérieur du restaurant de la table ronde. Okay. Ah, j'ai tellement pris de photos alambiquées que elles sont toutes téléchargées là. Vous avez compris quoi. Alors. Et voilà. Très bien. Efficace. Bon, j'ai d'autres choses à faire moi. En fait, ça c'est le karma ça. T'étais là à dire, ouais, l'épisode il se passe rien, je sais pas quoi là. Et bim! Il nous met un coup à la nuque quoi. À l'enfer. Alors. Étable, construire. Confirmer. Est-ce que je le mets dans un coin comme ça? C'est pas mal en vrai. Parce qu'après. Je pourrais le mettre dans ce coin là. Non, ça me paraît bien en vrai dans ce coin là, là, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Weir? Elle est pas mal hein? Il gêne pas trop. Je pourrais peut-être mettre le truc à côté. Plutôt usine dans le coin. Ouais, c'est pas faux. Après, l'usine peut être dans ce coin-là, là. À ce moment-là, tu vois. Mais bon. Du coup, ce serait plus comme ça. Yes, on voit super, c'est nickel. C'est nickel. Hop, alors on va le foutre là. Et on a dit pour le cabanon, poulailler, on s'en fout. Et l'usine, donc on est égaux, on est pas trop mal. Moteur, juste ce qu'il faut, plaque alu, planche en bois composite. Je pense que prochain épisode, je vais me faire des... je vais vraiment me mettre un calepin à côté et on va noter tout ce qu'il y a dans l'affaire. Parce que là, plaque alu, je pense qu'on est bien. Planche en bois composite, je suis pas sûr qu'on soit super bien, malheureusement. C'est un peu le souci du détail. Et... Hop. Ça, c'est déjà pas mal. Tac, tac. On a les chipsets à récupérer. La chipset, putain! Arrête d'être débile! Je sais pas où je les ai mis! J'ai les coffres au hasard, là. C'est ça? C'est ça. Putain, j'en ai que 3. Ouh, j'en ai que 3. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Ça... Est-ce que c'est là la boîte à piège? Charpente en acier, putain. Qu'est-ce qu'il me faut déjà pour ça? Ah, il m'en manque un. Dis-moi que ça tourne. Allez. Je crois qu'il m'en manque un, c'est ça, hein? Tant pis, allons au port, tous ensemble. Récupérer la foreuse. Allez, Toddy, emmène-moi au bout du monde, mon ami. L'ami Toddy. Hop là. Et une période vidée. Oui, foreuse, foreuse et cheval. Et des trucs machin aussi. Vous avez compris quoi. Il m'en faut combien? 3. Mais je crois que j'ai pas assez. Bah il m'en faut. Ouais bah il m'en faut 3. Je peux en vendre que 2. Combien il en manque? Une. Physiquement je suis calme hein. Mais intérieurement je bouillonne. Oh l'enfer. Mini trépan. Que trépas si je faiblis. Il est où? Est-ce que ça vaut le coup? Ok. Où est-ce que je peux acheter une chipset au centre de recherche, non? Ah, je suis même pas sûr. Pour les mines, du coup. Pour les mines, du con! Sois un peu malin, une fois dans ta vie! Merlin! You are making the same mistake as the people of the Age of Corruption did. Forbid me?
How can we learn not to make mistakes of the past? C'est lui là qui est trop chelou avec sa pierre. Comme moi, il aime bien les pierres. This thing is too dangerous. Mais vous la détruisez. It would be better. That's enough, Lee. Leave or I'll tell them. This isn't the end of this. Oh. What was that about? Ah, je suis là depuis tout à l'heure, je suis rentré à un moment donné. Hein. Lee heard about the robot and came to Vintus. L'église se méfie de tout ce qui provient du passé. Il croit du pouvoir m'aider à le réparer. Oui, bah je t'aiderai, j'ai pas le choix. Hein. You know, there aren't many people enthusiasts. Anyway, here is the... Moi qui vends des chipsets, oui. Je vais prendre les 5 en vrai. Pas trop de problèmes avec ça. Avec la thune. Et on a dit le rub out. Plus d'activation. Okay. Je vais, avant d'aller acheter le poney, je vais aller voir où est-ce qu'il est, celui à qui je dois rendre la quête. J'ai pas tout fini. Porte des terres désolées. Ah d'accord. Ok, bah let's go, j'avais pas vu. Forcément, elle s'affiche pas. Moi aussi, j'aurai un poney bientôt. Alors, ça doit être ça, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, nickel. Pas du tout centré. Oh, comme on adore. Toc. Bon, il est où? Oh, mais il est au bout du monde. Ça me gonfle. Bon. On va aller récupérer de suite la dernière puce. Bim, 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 hop. Et 30 minutes de trajet. Et on va voir tout, on va voir tout. Quasiment tout. Quasiment. L'entrepôt est reconstruit. Alors. Il y en a que deux. Revenez demain. Parce que j'ai que ça à foutre. Génial. J'adore. Quel enfer les allers-retours. A voir lui. J'ai jamais autant pris le bus. Quoi les plans en haut? C'est des étagères à plantes, je sais pas quoi. Bizarre. Comment ça va? It's a photo album filled with pictures of things. Oh, that's so lovely. Pas couronné ensemble. Non, je m'en fous. Of course, the first photo is of Irwa looking good. Oh, my baby. The oh, the round table. Oui. Why did you put the collapsed wasteland in here? The printing press. And on the last page. What am I doing? I kill those guys at Atara. Blah 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 blah. I interviewed Toadie today while he's. Toadie a l'air abattu. Eh ben, c'est triste. Le sans cœur. Oui, c'est Lolo. Le sans cœur. Oui, c'est lui. Prendre. Zéro jour. Ok. Je trimballe avec ma foreuse dans les mains. On avait quoi à faire? Charpente, hein, c'est ça, je crois. Il me manquait un, deux trucs. Donc, maintenant. Bim. Ah, bah, j'ai assez. Bon, on ira en prendre demain. Hein. Ah, c'est une charpente. Bim! Cheval! Cheval! Le cheval, oui, c'est trop génial. Le cheval, le cheval! Ça se trouve, il y a des trucs que j'ai pas. Hein. Ça, c'est ouf. Après, j'ai beaucoup à penser aussi, hein, c'est normal. Hein. C'est où? Comprends! Là. Alors, 10 000 permanents, 15 000. 15 000, hein? De toute façon, on a des thunes, hein?
Victoire? J'ai gagné Victoire? Comment ça, Victoire? Oh, mais il est bugué! Deux, il marche dans le vide. Allez, mais allez! Hé, hey, cheval! Peut-être le renommer, non? Regardez-le! C'est mon poney! Je peux pas le... Oh putain. La vie est différente à cheval. Oh là, c'est incroyable. Hein. On vient de prendre une tournure dans cet épisode. Un piège parfait. Oh, c'est incroyable. Ah, je regarde de mon cheval. Alors, rejoins-nous là-bas. T'es où? T'es où? Je te rejoins où? Mais tu m'as pas dit où? Ok, il est con. Bah... Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Bon, les dégâts, je pense qu'on est bon. Identifie le poisson avant de pêcher. C'est pas mal ça? Maintenant que je suis un pêcheur invertébré. Se rendre aux ruines. Mais quelle ruine? Ah oui, là-bas! Je sais pas sur mon chemin. Bah, allez, go! J'y vais à toute berzingue! You, you! Ouais, non, mais c'est incroyable, hein, par contre. Hein. Vraiment, le changement. Hop! Allez, on va prendre l'ascenseur à cheval. Alice! Quel enfer ce chien! Galop, galop, galamdam, galamdam! Nous passions Tam. Merci. Je viens de faire un 3-6. Beaucoup trop drôle. Oui! Les ruines du laboratoire informatique. Avec mon gros marteau. Ok. Salut tout le monde. J'ai mis du temps, tu rigoles? Installons le piège. Il est déjà installé le piège. Appareil à piège. Ah oui, c'est là que ça va. Oh putain, de cinématique. Ah! Pendant la cinématique, je reviens. What? One of ours? Didn't look like it. That must be the thief. Did he follow us here? Our lucky day. Not so sneaky. J'ai fait louper un truc important. J'avais oublié. Alors, on passe pas inaperçu aujourd'hui, hein. Who are you? You followed us here, didn't you? Not too fast, Marley. We designed this to hold a rhino. For now, I want to see who... Are you done? Are you done? What? Clever setting up a... That's right. But you made one mistake. Une erreur. C'est la deuxième cinématique dans le même truc? We're not dealing with a simple thief here, people. He's a knight. C'est un chevalier? De quoi? That must be my lucky day. C'est un chevalier avec une... un pistolet? Cut it out, Arlo. Spread out. We'll take him together. Niveau 100! Il y a un one shot, non? Du coup, c'est moi qui vise. Et pourquoi niveau 100? Non mais il va me dégringuer en fait. Allez Sam, relève-toi. C'est un Jedi, non mais un Jedi avec une mitraillette. Je vais mourir non? Ah oui d'accord. Bon bah c'est... Ça nullifie un peu le truc hein. C'est le stun. Je peux le stun. Apparemment, je peux le stun.
être un peu plus simple que prévu. T'as l'épisode si long du coup? Ouais, t'inquiète, la nourriture. Après, si je peux pas l'infini, la nourriture elle est pas forcément utile quoi. Je clique. C'est long, mazette. Chling. Je suis invincible, non? Ah, juste quand je dis ça, je prends une bastos. 2. Alors. Oh, et on passe les 50%. Ah, ça va être long, hein. Oh non, c'est bugué. Allons. I must bid you all farewell. Oh no you don't. Oh no you don't. Il va faire un truc de Jedi. Bon. Je suis une croquette. Putain, mais il est trop fort. Good day. Oh, c'est Batman. Non, mais on l'a vu partir. Ah, ça me fume. So that's... I'm leaving right away. I need to report le conseil this to de l'Alliance. If a knight is around here looking for... Yes, you must. I'm tempted to tell... Don't. At least not yet. Wait for... Ouais, mais elle est bizarre, elle aussi, hein. I'll also... You guys did well today. It's not easy facing a knight. Keep your heads up. Besoin de vous plus que jamais. Je reviens plus vite. Be careful. Molly, wait. I'll send you off. I can't believe Portia is facing a crisis like... What should we do, boss? C'est pas si long, en fait. On peut poster un garde 24-24 au centre de recherche. Ok, 4000 gold. Putain, c'était giga intéressant par contre, hein. Sacrée finalité d'épisode, hein. Là, c'est juste, c'est le karma, hein. Tu dis que l'épisode est naze, il se passe rien, bim. On a un chevalier Jedi, tout va bien. Mon chevalier, à toi. Et non, il est bien, il me court après, c'est fait exprès. Ça me fume. Je suis pas habitué, donc ça peut être logique, hein. Bon, les copains, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, le petit commentaire, vous connaissez la chanson. On se retrouve tous les lundis à 19h maintenant. C'est bon, c'est acté, 19h, avec un petit peu plus de moins de retard. Putain, vous avez compris, quoi. Et pourquoi tu te couches déjà? Parce que c'est comme ça, ça fait un moment. Il faut pas abuser des bonnes choses. On se retrouve lundi prochain, 19h. Prenez soin de vous. À la ville, à Vienne, à Vienne, à Vienne, tous à la ville, à Vienne.